Monsieur le Président ressemble à son père, à qui il donne. C'est le début, c'est le portrait de papa. Vous l'avez vu l'année dernière, Président. C'était la première fois qu'on le rencontrait en France. Qui vous avait cru? Il a saillé une quarantaine de juments cette année. Alors c'est Bill Clinton en règle de sperme congelé. Il est très bon. On a un très bon résultat de fertilité avec le Président. Et effectivement, c'est un cheval qui n'a pas fait la carrière qu'il aurait dû, parce qu'il a été accidenté avec un petit problème de tendon. Mais c'est un cheval élégant, j'ai pas besoin de vous le dire. Il avait monté, et là, une très bonne bouche, c'est un cheval facile, donc une très très bonne violence, et il est déjà père de bon gagnant. Je crois que c'était l'année dernière, la première année que ça a été en France, les premiers, probablement, 7 ans, dont Del Senat qui est gagnant en CSI, 7 ans, parce que Tonton Saint-Martin avait gagné les premiers 7 ans. À la promotion SPS, les premiers produits de Président venaient s'occuper du fait que ce sera le successeur de Clinton. Il me semble pas seulement dans la silhouette, il a l'air de transmettre l'aptitude que transmet son père. Votre Président qui a eu une carrière de compétiteur écourtée, quelles sont les conditions d'utilisation pour ce Président? Alors, il a fallu tout changer avec la TVA à 7%, mais en taxe, ça n'a pas changé. C'est-à-dire que les acomptes de saillie sont restés à 350 euros, ça je tiens à signaler. Au GFE, on ne connaît pas l'inflation, on ne connaît pas la TVA, c'est-à-dire que et l'inflation des coûts de transport et la TVA sur les acomptes.